Un sujet, deux points de vue. Agora. Flashback sur l'année 2009 dans cette édition d'Agora. Eddie Omaro est journaliste et directeur du quotidien indépendant italien La Repubblica. Dennis McShane siège quant à lui dans les rangs travaillistes à Westminster après avoir été chargé des affaires européennes dans le cabinet de Tony Blair. Tous deux se sont retrouvés mi-décembre au Parlement européen à l'occasion de la troisième édition du prix du livre européen. Ils ont bien voulu faire face à face le bilan de l'année écoulée en matière de démocratie et de culture en Europe. 5, 4, 3, 2. Il y a deux anniversaires cette année. Bien sûr, 89, la chute du mur, la fin du communisme, mais aussi le 60e anniversaire de l'OTAN. L'OTAN a été créée en 1949, après l'isolationnisme de l'après la Première Guerre mondiale. Les États-Unis ont décidé de rester en Europe. Mais est-ce qu'on est en train de célébrer trop le passé sans que vraiment planifier l'avenir? Oui, c'est une différence entre la culture et la mentalité européenne et la mentalité américaine. Le problème du next, le problème du passé. Mais l'importance de l'anniversaire du mur, c'est, je pense qu'il s'est certifié dans l'ampleur des célébrations. Et je pense qu'il a été la vraie fracture de notre histoire, non pas seulement de notre géographie. Et maintenant, le problème pour moi, c'est que l'Europe doit être sûre de sa identité. Je pense que l'Europe, c'est la terre de la démocratie de droit, la démocratie des institutions. On accepte ça pleinement, mais est-ce qu'on ne voit pas des autres divisions, des autres murs, par exemple, mur d'intolérance? On a oui. Monté de xénophobie. Absolument. On a vu cette plébiscite référendum en Suisse contre la minorée. On a aussi vu la manifestation d'un islamisme idéologique féroce contre les valeurs démocratiques, les valeurs des femmes, des gays, etc. Et on voit partout dans nos nations européennes un rejet de l'étranger. Chez nous, en Angleterre, on fait campagne contre les travailleurs polonais ou slovaques, pas simplement les gens de couleur de l'Asie. Et comment on peut combattre, ou comment on peut avoir une Europe plus tolérante, moins xénophobe? Vous avez touché le problème du moment. Aussi en Italie, vous savez qu'il y a des problèmes d'intolérance. Il y a le problème vis-à-vis avec les immigrés. Il y a le problème, le grand débat aussi sur le crucifix. Et la question des immigrés, c'est devenu très rapidement dans notre pays une question idéologique. Non pas une question de sûreté seulement, non pas une question politique seulement, mais une vraie question idéologique. C'est plus compliqué, c'est plus dangereux. C'est un risque pour la démocratie, c'est un risque pour l'Europe dans l'ensemble. Ce problème peut ouvrir un passage très facile au nouveau populisme. Parce que le populisme, en période de complexité, et peut-être une tentation de simplification. Ouais, ouais. Je suis très frappé par une remarque d'un député européen conservateur anglais, Edward McMillan Scott. Il parlait de fascisme light. Fascisme light. Ouais. Et parce qu'en effet, ici au Parlement européen, il y a peut-être 100 à 120 députés élus sur une participation très très réduite qui représente les forces populistes, parfois ouvertement racistes, nationalistes, même antisémites. C'est incroyable d'imaginer le retour d'antisémitisme comme un discours dans la politique européenne. Il me semble qu'on peut dire que si la gauche marche dans la rue pour un contrôle
du climat et d'avoir une gauche écologique. Et la droite peut-être marche dans la direction du populisme et cette politique identitaire. Mais oui. Repassons simplement cette commémoration surtout de la chute du mur de Berlin. Je partage votre opinion que l'Europe s'est retrouvée son identité dans une certaine façon, surtout moi, j'étais en Prague récemment, j'allais à Varsovie, aller dans ces capitales de l'Europe de l'Est, il y a 30, 40 ans, des moroses, grises, tristes, et ils sont éblouissants, ils auraient dû découvrir leur culture historique. Mais comment on peut avancer ces idéaux vers nos voisins, vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient? Comment avancer la cause de la démocratie, liberté d'expression en Chine, par exemple? Mais je pense que la conscience d'être la terre de la démocratie et la terre de la démocratie de droit et de démocratie des institutions de nous guider dans l'approche avec ces pays. Mais il y a un problème en parlant de démocratie, parce que la crise économique, la récession, les difficultés des familles et aussi le grand problème de la mondialisation, de la globalisation, qui sont très difficiles d'aménager par les personnes, par les petites communautés, on peut déterminer une érosion de la démocratie, de valeur d'utilisation de la démocratie. Mais ça vient aussi de la culture. C'est un vrai problème, il me semble, qu'on a maintenant une Europe des cultures plurielles. On a un magnifique des films, des écrivains, les pièces de théâtre. Mais l'Europe devient presque plus nationale. Et est-ce qu'on a vraiment des grands écrivains, historiens, qui forment aujourd'hui une pensée universelle européenne? Je pose la question. Moi, j'ai quelques doutes dessus. Je ne peux pas penser actuellement à quelqu'un qui dans tous les pays européens, il y a quelqu'un qui dit, oui, je dois lire ça, s'il me donne des idées, ou elle me donne des idées, et je fabrique une culture, une identité européenne, plutôt que simplement English, polonais, deutsch, italiano, français, etc. Et il y a un problème de dimension européenne, il y a un problème de leadership et de poids des institutions. Et je pense que l'Europe, c'est le seul passage qui peut permettre à notre part du monde, à notre population, à notre peuple singulièrement, de compter dans les décisions du monde dans ce moment. On va voir pour 2010 si le traité de Lisbonne et les nouveaux représentants, là, M. Barroso, M. Van Rompuy, Mme la baronne Ashton pendant 5 ans, si en 2014, on aura cette meilleure Europe qu'on souhaite. Mais aussi, ce qui est important, c'est de développer l'idée d'une culture européenne. Et moi, je suis très content qu'on a maintenant, c'est la troisième année, on a décerné ce prix du livre européen. C'est un petit début, mais au fur et à mesure, j'espère que ça devient des grands prix de notre littérature et notre culture des essais européennes.